Ne bouge pas, Adam. Sûr ? Oui, je crois que... J'ai pas trop peur. Super. Nous les avons rencontrés en pleine répétition. 20 enfants de l'école primaire André Bouloche à La Payade affinent le spectacle présenté au théâtre Jean Villard dans le cadre de la Cour des Arts. Les élèves travaillent autour d'un texte de Sylvain Levé intitulé L'Ismartagou, choisi par Johanna Dupuis, metteur en scène. D'abord, on est entré un petit peu dans l'univers sans le texte. Et puis, au bout de quelques séances, 2-3 séances, j'ai apporté le texte, on l'a lu tous ensemble. Et petit à petit, on a déterminé qui parlait de manière un peu aléatoire finalement, qui allait avoir cette partie de texte, comment ils allaient enchaîner les uns après les autres. Ça s'est fait assez naturellement, de manière assez fluide. L'Ismartagou est un texte très poétique qui dégage beaucoup de générosité que les enfants se sont appropriés rapidement. Je suis lisse avec des autres filles. Il y a le cœur et il y a Démétrio. Et aussi, Johanna distribue plein de rôles à plein de personnes. Et on a essayé d'apprendre des autres rôles. Si jamais, comme ça, si quelqu'un n'est pas là, on peut le remplacer. Tu le connais, toi, son prénom ? Non. Et toi ? Non. Durant ces 6 mois de travail, ils évoluent, s'évadent, prennent confiance, transmettent aussi. Pour moi, ils ont fait un très très beau chemin déjà, entre le début, comment ça s'est construit. Et là, je sens qu'ils sont prêts, vraiment, totalement. Après, il y a toujours un inconnu, c'est le spectacle vivant. On ne sait pas comment va être la salle, on ne sait pas comment ils vont réagir, parce que le spectacle vivant, c'est un dialogue aussi avec les spectateurs. Il dit la télé. Ça se regarde dans le noir, tout le temps ? Oui. Après 2 heures passées ensemble, nous avons laissé ces jeunes d'apprentis comédiens pleins de sensibilité. Des élèves qui apprennent à fabriquer avec le regard porté à la fois sur la singularité de chacun et sur la possibilité de faire ensemble, en cœur. Allez, on enchaîne.